Bon, alors, on va démarrer dans une minute. Je voulais seulement vérifier si vous voyez l'écran et moi en même temps. Oui, je veux juste savoir si vous, si tu vois l'écran et moi en même temps. Est-ce que tu vois le PowerPoint? Oui, absolument. Et, la, et moi, les deux? Oui. OK, on démarre. Ouais, les gens sont encore en train d'arriver. OK. On a quand même une trentaine de personnes qui sont à l'heure, alors on va débuter sans plus tarder. Je suis vraiment contente des inscriptions. On a quelques 90 personnes, je pense qu'on était rendu tout à l'heure d'inscrites au webinaire. Ça me fait vraiment plaisir. Je pense que on doit, ça fait partie de nos responsabilités de conserver notre santé. Il y a beaucoup de désinformation en ce qui a trait aux produits naturels. Donc, j'ai passé le dernier mois très, très, très immersée dans toute l'information concernant, évidemment, le nouveau virus, mais aussi comment nos remèdes traditionnels peuvent s'insérer dans tout l'aspect préventif, mais aussi curatif. Donc, on va revoir des classiques, puis je vais vous donner tous les derniers développements au niveau scientifique. Alors, sans plus tarder, on va débuter. Je veux vous informer que le webinaire, j'ai énormément d'informations. J'ai voulu le faire en deux parties pour toutes sortes de raisons. Ce n'était pas possible, donc ça va aller vite. Ce soir, j'ai beaucoup de professionnels d'inscrits, mais j'ai aussi des gens du public. Je suis consciente que pour certains d'entre vous, ça va être un rythme très rapide, beaucoup d'informations. Je vais faire mon gros possible pour faire cadrer ça dans 90 minutes. Le document, vous pouvez le télécharger en PDF quelque part sur votre écran. Donc, le PDF est disponible. L'information, vous la partagez avec crédit, évidemment. C'est une propriété d'AOR, c'est ma propriété intellectuelle aussi. Donc, c'est pour vous. Et ce qui est bien important de comprendre, c'est que même si on va parler directement du virus actuel, le SARS-CoV-2, le webinaire ne se veut pas une panacée pour prévenir ce virus-là particulièrement. On va vraiment parler des différents mécanismes du système immunitaire, mais j'ai voulu vraiment aller voir profondément ce qui se faisait au niveau scientifique pour être certaine qu'on parlait des bonnes affaires. Donc, sans plus tarder, on va se mettre tout de suite à la tâche. Bienvenue au webinaire de l'immunité d'AOR. Je vais juste voir comment je peux changer ma page en restant à l'écran. Je viens de m'éteindre de l'écran. OK. Voilà.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la conseillère à OIR depuis 2011 pour le Québec, donc ça fait quand même 9 ans que je travaille pour AWARE. Je connais très, très bien nos produits. Je suis naturopathe de formation, aussi homéopathe accompagnante à la naissance. Donc, j'ai vraiment exploré différents aspects de l'industrie de la santé, mais aussi des produits naturels et particulièrement notre gamme chez AWARE. Donc, je suis bien placée pour faire le tour avec vous. Bon, j'ai un petit problème à bouger mes pages. Je ne sais pas. Suivant. Ça s'est bien passé la dernière fois. Attendez, on va trouver la façon de le faire adéquatement. Bon, je pense qu'on va, garder ça comme ça parce que sinon, ça va être plus difficile. OK, donc le plan du webinaire, dans un premier temps, on va faire une petite revision vraiment ou une introduction pour d'autres au système immunitaire. Ça va être très rapide, mais juste pour mettre un peu les choses en place. Je vais vous faire aussi un petit topo sur ce qu'on sait à l'heure actuelle concernant l'infection qu'on appelle la COVID-19 qui est causée par le virus qui s'appelle SARS-CoV-2. Et ensuite, on va aller voir comment on peut faire de notre côté pour supporter notre immunité. Donc, la base, ensuite, tout ce qui est l'approche orthomoléculaire, évidemment, donc du côté des suppléments précis. Et ensuite, l'aspect phytothérapeutique, donc avec les plantes médicinales. Alors, notre système immunitaire, évidemment, on le sait, c'est notre mécanisme de défense naturelle contre les infections et contre la maladie. C'est constitué de cellules et d'organes qui travaillent ensemble. C'est vraiment un système extraordinaire, je le savais, mais de vraiment m'immerser là-dedans dans le dernier mois, j'ai encore une plus grande appréciation pour notre système immunitaire, qui est quand même assez complexe, mais aussi très perfectionné dans son fonctionnement. On a deux types d'immunité. On a l'immunité acquise et l'immunité innée. Évidemment, plus de PowerPoint dans l'écran. OK, je reviens avec le PowerPoint. C'est juste que, bon, là, ça marche, mais là, je ne me vois plus. Est-ce qu'on peut faire ça quand... OK. Donc, c'est ça le secret, c'est que si je me vois, je ne peux pas faire avancer les pages. Donc, je ne me verrai pas. OK. Donc, système immunitaire inné, c'est celui, évidemment, avec lequel on vient au monde. Donc, déjà, en venant au monde, on est bien équipé. On a des barrières naturelles comme la peau, par exemple. On a l'acide chlorhydrique dans notre estomac qui permet de vraiment déjà neutraliser un paquet de bactéries, même de virus. Et tout le long du tube digestif, on a énormément de cellules aussi immunitaires qui vont prendre le relais si on n'a pas réussi à neutraliser déjà au niveau de l'acide chlorhydrique. Et ensuite, on a tout l'aspect des bonnes bactéries dans notre intestin et tout le système immunitaire qui est situé là. En fait, il y a 80% de notre immunité qui se situe le long de notre tube digestif. C'est pour ça que c'est vraiment par là qu'on va débuter pour supporter notre système immunitaire. Donc, la manière d'activer l'immunité, c'est vraiment lorsque nos cellules perçoivent un agresseur, qui peut être, par exemple, une molécule de gluten, qui peut être vraiment un virus ou une bactérie, il y a une réaction inflammatoire qui va être déclenchée. Donc, on parle souvent de l'inflammation comme étant un problème, mais l'inflammation, il faut comprendre que c'est un processus qui fait partie de notre immunité pour nous défendre. Évidemment, si elle ne s'éteint pas dans le temps, là, si on a de l'inflammation chronique, c'est là où ça va poser problème, mais à la base, l'inflammation, c'est vraiment ce qui va donner le message à notre système immunitaire pour dire à nos bons soldats, nos globules blancs, c'est le temps de venir au combat. Donc, c'est quand même une composante très importante de notre immunité. Ensuite, l'immunité acquise ou adaptative, les deux termes sont acceptés, c'est vraiment ce qu'on va développer au fur et à mesure de notre vie à force d'être exposé à différents pathogènes. Alors, notre réponse innée, celle avec laquelle on vit au monde, elle ne fait pas de distinction. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est non spécifique, c'est-à-dire que ce soit une bactérie, que ce soit un virus qui arrive face à la barrière naturelle qui est la peau, on ne fait pas de distinction. Mais la réponse immunitaire acquise, elle est très spécifique de l'agresseur, donc du virus, de la bactérie ou de l'allergisant dans notre alimentation, par exemple, auquel on est exposé. Donc, le système immunitaire acquis va développer une mémoire pour que la deuxième fois qu'on fait face au même agresseur, on soit mieux préparé pour y faire face.
Donc, c'est ce principe sur lequel repose la vaccination. On pourrait en débattre, il y a des pour, il y a des contre, mais je vais seulement vous expliquer le fonctionnement de nos systèmes immunitaires. Qu'est-ce qu'il en est de la fameuse COVID-19? Ce que nous savons jusqu'à maintenant, mon information, elle a été revisée jusqu'à hier soir, donc vraiment de l'information à la fine pointe de ce qu'on sait. D'abord, allons voir le virus. Le virus qu'on a baptisé SARS-CoV-2, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère 2, parce qu'on avait eu le SARS numéro 1, vous vous rappelez probablement, je pense que c'était en 2003 qu'on avait eu cette fameuse infection de SARS, qui avait aussi quand même causé une alerte, mais rien en proportion de ce qu'on connaît maintenant. Donc, c'est une source de pneumonie atypique parce que vraiment, il y a des symptômes qu'on ne reconnaît pas dans les autres formes de pneumonie émergente qu'on a appelé COVID-19. Donc, la maladie, c'est COVID-19 et le virus, c'est le SARS-CoV-2. C'est une souche d'une grande famille de coronavirus, des bêta-coronavirus plus spécifiquement, dont le SARS qu'on avait connu en 2003 faisait partie, mais aussi un autre syndrome respiratoire qu'on a appelé le MERS, dont on a moins entendu parler ici au Québec, qui était plus spécifique au Moyen-Orient en 2013, 14 et 15. Donc, le virus a été découvert, ou je devrais dire identifié, à Wuhan, en Chine, en 2019, en décembre, comme on le sait, et la progression a conduit l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à déclarer une urgence publique le 30 janvier, puis la pandémie le 11 mars. C'est pas anodin, parce que ces termes-là vont signifier également comment on va le gérer au niveau des règlements des différents pays. Il faut savoir que quand on parle d'une pandémie, on est en situation d'urgence publique et donc les recommandations de l'OMS vont avoir précédent, par exemple, sur nos libertés individuelles. Donc, la terminologie est très importante. Au niveau des statistiques, ce que je trouve très important, parce qu'on nous met beaucoup devant les statistiques de décès, devant des gros pourcentages, on a vu ce qui s'est passé en Italie, c'est sûr que c'est assez désolant, c'est assez même affolant. Et quand on les regarde à la journée longue, là, ça a un impact négatif, non négligeable sur notre psychologie. Et ça, je pense qu'il faut y faire attention. Mais le message que je répète depuis le début de la pandémie, c'est qu'il faut faire attention à ces statistiques-là également parce que, comme tout le monde n'est pas testé, ça nous donne des statistiques qui sont faussées. C'est-à-dire que si on a un taux de mortalité comme on avait au début en Chine de 3,4%, il faut garder en tête que c'est 3,4% de décès sur les gens qu'on a testés. Et les gens qu'on a testés sont les gens qui se sont rendus à l'hôpital, donc ceux qui étaient vraiment plutôt malades. Et ça, on le sait, c'est une très petite proportion de la population. Il y a 80% des gens jusqu'à maintenant qui vont contracter le virus de SARS-CoV-2 et qui vont avoir des symptômes comparables à ceux d'une grippe habituelle, donc qui n'auront pas besoin d'aller à l'hôpital. Il y a environ 5% des gens chez qui l'infection va se compliquer, qui auront besoin de soins particuliers, mais le taux de fatalité réelle, selon plusieurs experts, c'est vraiment entre 0,1 et 1%. Et parce que là-dedans, il faut considérer que beaucoup de gens sont asymptomatiques, ils ne sont pas testés. Et donc, le portrait qu'on a, c'est vraiment le portrait qui est établi en fonction des gens qui ont été à l'hôpital, qui ont été testés. Donc, ceux qui étaient les plus mal en point par rapport à cette infection. Donc, on a une idée de la mortalité qui est en réalité plus haute que ce qu'elle est dans les faits parce que tout le monde n'est pas testé. Donc, très important. L'autre chose aussi, c'est qu'on ne nous montre jamais les statistiques de guérison à ce point que je n'ai pas été capable de trouver les cas guéris au Québec. Pour être considéré guéri, il faut ne pas avoir de symptômes, évidemment, pendant une période variable selon les pays, et il faut faire deux tests négatifs espacés d'au moins 24 heures. Donc, vous comprenez que comme on vient de commencer à faire des tests au Québec, on n'est pas encore vraiment rendu dans cette période-là de guérison. Mais au niveau du Canada, on en a déjà, puis on va regarder au niveau aussi mondial. Alors, premier point que je veux vous mentionner, c'est que par rapport aux statistiques de cas diagnostiqués au Canada, 98%
des cas diagnostiqués éprouvent des symptômes légers, 98 %. Ça ne veut pas dire que l'infection, il ne faut pas s'en occuper, mais il faut aussi quand même relativiser. Donc, il y a parmi ces cas-là, 9 % des cas, 508 cas qui sont considérés guéris. Évidemment, ça va aller en augmentant. Comme je disais, c'est qu'on vient de commencer à faire des tests diagnostiques. Au niveau planétaire, évidemment, ça fait plus longtemps. Donc, on parle de 710 000 cas testés positifs, mais quand même 150 000 cas guéris. Et ça, on n'en parle pas assez, à mon avis. Le pourcentage au niveau planétaire est de 4,72 % de fatalité. Évidemment, c'est beaucoup moins élevé au Canada parce que maintenant, les gens testent quand ils ne sont pas encore très symptomatiques ou très malades. Donc, ça rétablit un petit peu les statistiques. Au Québec, on en est à 0,78 % de fatalité, donc ça se passe quand même plutôt bien. Les symptômes, je ne passerai pas longtemps là-dessus parce que, évidemment, maintenant, on en a beaucoup entendu parler, on les connaît, mais peut-être simplement pour vous dire que par rapport au rhume ou à la grippe, le gros point de distinction, ça va être vraiment le côté des difficultés respiratoires qui vont être plus intenses avec la COVID-19 qu'avec les rhumes ou les grippes qu'on connaît habituellement. Donc, la statistique de l'OMS, 80 % des gens atteints de coronavirus ne montrent que de légers symptômes et ça, encore une fois, c'est 80 % des gens diagnostiqués. Donc, ça veut dire que c'est un taux plus élevé dans les faits. Comme on nous l'a répété ad nauseum, c'est les personnes âgées puis celles qui ont d'autres problèmes de santé ou des comorbidités comme l'hypertension artérielle, les problèmes cardiaques ou le diabète qui vont être plus à risque. Pourquoi les maladies cardiovasculaires? Parce que justement, ce virus-là va se servir comme porte d'entrée d'un récepteur qui a rapport avec le système cardiovasculaire qui s'appelle le ACE2, qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, le mécanisme de propagation du virus, je pense que jusqu'à maintenant, on le comprend. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de virus, donc des virus qu'on dit à ADN et des virus à ARN ou à acide ribonucléique, ce qui est le cas du coronavirus actuel. C'est une famille de virus qui sont plus anciens et donc qui vont muter plus régulièrement parce que le mécanisme de réplication fait qu'ils sont plus propices, on va dire, à avoir des erreurs dans leur copie de bagage génétique qui vont créer ces fameuses mutations. Il y a déjà au moins deux souches là, différentes, c'est-à-dire que le virus est déjà en période de mutation. Donc, pour se répliquer, le virus va s'attacher à une cellule, il va la pénétrer, il transmet son bagage génétique à l'intérieur de nos cellules. En fait, on lui sert un petit peu de mère porteuse, si je peux m'exprimer ainsi. Il va nous transférer donc l'ensemble de ses gènes et lors du processus, il va créer des milliers de copies de son propre génome et dans ces copies-là, il peut y avoir des petites erreurs de traduction qui vont faire que les bébés donc vont être légèrement mutés jusqu'à éventuellement qu'on contrôle cette pandémie-là. Et pour que ça soit contrôlé, bien, en général, c'est que il y aura 55 % de la population qui sera porteur du virus. Qu'on l'ait acquis de manière naturelle ou via la vaccination. Et ce que l'expérience nous montre, c'est qu'à ce moment-là, on contient la réplication des virus. Donc, les étapes de l'infection, encore une fois, je ne vais pas vous donner un cours d'épidémiologie, mais ce qu'on doit savoir, c'est que la couronne, là, pourquoi on les appelle les coronavirus, la couronne, c'est les petites épines qu'on appelle spike en anglais, qu'il y a sur le virus. Et l'épine doit être coupée par une enzyme, en fait, et pour pouvoir s'attacher, c'est ça qui va s'attacher à nos récepteurs, à nous. Et donc, c'est là-dessus qu'on peut, entre autres, avec certains médicaments comme le camostat, qui est testé présentement, avoir un pouvoir d'action. Donc, on va empêcher l'enzyme de couper le petit spike pour qu'il ne puisse pas s'attacher à notre récepteur. Donc, ça, c'est un des sites d'action des médicaments. Ensuite, le virus s'attache à notre fameux récepteur ACE2, ACE2, pour pouvoir fusionner. Donc, son enveloppe va finir par se dissoudre pour qu'il puisse transférer son bagage génétique dans nos cellules. Et donc, pour ça, il doit fusionner avec nos cellules. C'est un processus qu'on appelle l'endocytose. Mais encore là,
On peut agir sur ce mécanisme-là en variant le pH à l'intérieur de la cellule avec un autre type de médicament qu'on appelle la chloroquine ou chloroquinone que vous avez peut-être entendu mentionner dans les médias. Ensuite, une fois que le virus a fusionné avec notre cellule, que l'enveloppe est dissoute, il va vraiment transférer son bagage génétique à l'intérieur de nos cellules. Et pour ce faire, il va utiliser bon, son ARN polymérase, qui est un autre type d'enzyme, sur laquelle on pourrait aussi, encore une fois, agir avec des médicaments. Et ensuite de ça, c'est là que la machinerie cellulaire va se mettre en action pour qu'il y ait la multiplication. Et encore une fois, on peut agir sur la protéine parce que les pics doivent être coupés une deuxième fois pour que ce processus-là survienne. Et donc, on pourrait réagir encore à cette étape-ci. Donc, il y a vraiment différents mécanismes impliqués dans la réplication virale. Et il y a des médicaments à l'essai présentement pour voir comment on peut agir. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a aussi des substances naturelles sur lesquelles on devrait se pencher de manière plus profonde parce que vraiment, on peut réussir à faire le même genre d'intervention avec des substances naturelles. Donc, vous avez peut-être entendu parler aussi de ce terme de tempête de cytokines. En fait, c'est que je vous parlais d'inflammation tout à l'heure comme réaction immunitaire. Eh bien, quand on est infecté, entre autres, par un virus, le corps va mettre l'inflammation et aussi beaucoup de radicaux libres en marche pour essayer de détruire le virus. Donc, c'est notre artillerie lourde à nous, mise en place par le système de défense acquis ou adaptatif. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'à force d'avoir tellement d'agressions, les membranes qui recouvrent nos poumons, nos cellules pulmonaires aussi, comme elles reçoivent cette inflammation et ces radicaux libres que le système immunitaire utilise pour attaquer le virus, parce que c'est quand même un virus qui fait beaucoup de bébés, donc le système immunitaire réagit fortement et selon l'efficacité de notre immunité, évidemment. Et donc, cette hyper-réaction de l'immunité peut éventuellement créer des dommages, je dirais, plus importants que le virus lui-même. Et c'est ça qu'on appelle la tempête de cytokines. Et donc, avec malheureusement des autopsies qui ont été pratiquées chez les patients chinois, on a pu vérifier que chez ces patients qui étaient décédés, la tempête de cytokines était présente. Donc, il y a un profil de cytokines quand ça arrive. Je vous les mentionne parce qu'on va en reparler dans les médicaments naturels. L'interleukine 2, le facteur de nécrose tumorale A qu'on appelle TNF-A ou alpha. Et il y avait également un taux de ferritine et d'interleukine 6 qui était élevé, qui est en lien avec le mécanisme inflammatoire. Et sur ça, on va y revenir quand on va parler des possibilités au niveau des suppléments. Donc, d'abord, comment on peut supporter notre système immunitaire? C'est via les bonnes pratiques, le bon mode de vie, comme on en a souvent parlé en naturopathie. Et j'en profite à ce point-ci pour vous rappeler que les stratégies que je vous présente ce soir ne constituent pas un traitement approuvé. C'est un tout nouveau virus, le SARS-CoV-2. Donc, évidemment, on n'a pas encore assez de recul pour avoir testé des substances naturelles ou même médicamenteuses. Les recherches sont en cours pour vous dire il y a tel produit qui va agir de telle façon. Ce que je peux faire, c'est vous expliquer quels sont les mécanismes d'action des substances naturelles et des plantes. Et quand on comprend comment le produit agit et comment le virus actuel agit, ben on fait un plus un. Mais évidemment, ce n'est pas considéré comme un traitement approuvé. Et de renforcer notre immunité, vous allez le lire partout. Les autorités publiques qui d'ailleurs censurent beaucoup le message des produits naturels. C'est pour ça que ça me fait d'autant plus plaisir que vous soyez nombreux à assister au webinaire ce soir. Donc, le message est censuré et tout ce qu'on entend dire, c'est que non, ce n'est pas en prenant de la vitamine C ou de la quercétine ou de l'ail que vous allez prévenir la COVID. J'ai un point de vue évidemment un petit peu divergent de ça, mais il y a aussi toute la question du dosage. Souvent, les gens qui prennent des produits en prévention ne prennent pas des doses qui vont avoir une efficacité thérapeutique. C'est aussi le but ce soir de vous donner une idée des dosages. Alors, tout ça nous ramène au grand paradigme naturopathique. Comme on le sait, Pasteur aurait dit sur son lit de mort, Béchamp avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout.
Et c'est encore plus pertinent, je dirais, à l'heure actuelle, où tout le monde est enfermé chez soi, à attendre un petit peu le messie. Hein. On attend qu'il y ait un traitement qui soit trouvé, on attend qu'il y ait un vaccin qui soit trouvé, sans penser qu'éventuellement, ben, d'abord, il faudra bien retourner dans la rue un jour ou l'autre. Et deuxièmement, on a déjà un système immunitaire qui est très bien équipé pour faire face à des virus. On en a parlé, le taux de fatalité, si on est diagnostiqué aujourd'hui au Québec, est moins d'un pour cent. Donc, c'est pas comme une sentence à mort si on attrape le virus. Mais il faut s'assurer que notre système immunitaire a les substances dont il a besoin pour faire face à ce virus-là et qu'on s'en sorte avec le moins de dommages possible, un peu comme c'est vrai quand c'est la grippe ou quand on fait face à d'autres types d'agressions. Donc, il faut aussi se réapproprier notre propre pouvoir et comprendre qu'on a une responsabilité de bien s'informer, de bien se supplémenter, de faire tout ce qu'on peut pour avoir une santé optimale, pour que la journée où on est exposé à ce virus-là ou à un autre, notre système immunitaire soit capable de faire son travail. Donc, c'est là où je dis qu'il faut reprendre notre pouvoir en main et ne pas espérer la pilule magique qui vient de l'extérieur. Il y a eu un engouement quand il était question de quercétine dans les médias parce que c'était simple, on prenait un supplément et on se sentait protégé. Le système immunitaire, je vous l'ai dit, c'est complexe et il ne fonctionne pas juste avec la quercétine. Il a besoin d'un paquet, une synergie de substances dont on va faire le tour ce soir et j'espère que le message sera vraiment clair. En passant, j'ai oublié de vous le mentionner au début. Vous pouvez m'écrire des questions dans le chat. Je vais répondre à la fin. Mais pour pas étirer trop longtemps, parce que déjà on en a pour une heure et demie, je vais vous demander de plutôt m'envoyer vos questions par courriel. Vous avez mes coordonnées à la fin du webinaire, si vous les avez pas déjà, et je vais répondre à tout le monde. Parce que l'autre problème, c'est que quand le webinaire se termine, vos questions dans le chat disparaissent, alors je ne peux pas y revenir demain si, par exemple, on n'a pas le temps de découvrir ce soir. Donc vraiment, l'idéal, parce que je suis pas capable de répondre en même temps que je parle, c'est de me les envoyer par courriel. Donc, on revient à l'impact du stress sur notre système immunitaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est vraiment important de filtrer le type d'informations auxquelles on est exposé. On peut aller voir la statistique le matin si ça nous intéresse, mais ne pas se laisser bombarder de mauvaises nouvelles parce qu'il y a vraiment beaucoup d'études qui en parlent. C'est pas juste un concept naturopathique, mais le stress a un impact négatif sur notre immunité. Quand on est en phase de stress aigu, donc quand on fait face à l'agresseur, il va y avoir des cytokines pro-inflammatoires qui vont affluer dans notre sang parce qu'on doit comprendre que le corps se prépare à faire face à un agresseur ou à fuir. Donc, au cas où on soit blessé, le corps réagit déjà en créant une inflammation en disant « OK, on va être prêt à faire face à l'agresseur ». Imaginez si on est confiné pendant des mois et que pendant des mois, vous avez votre système immunitaire qui envoie de l'inflammation comme ça, mais quand il va être temps de faire face à l'agresseur, vous allez être un petit peu moins efficace si vos soldats sont au combat depuis quelques mois. Donc, c'est bien important de gérer notre stress comme il faut. L'autre point, c'est que quand on tombe en stress chronique, donc ça, c'est le début du stress, en stress chronique, le processus inflammatoire continue, mais en plus, nos surrénales qui vont constamment produire des hormones de stress, comme l'adrénaline et le cortisol, eh bien, nos surrénales vont se fatiguer et notre capacité à gérer l'inflammation va être beaucoup moins intéressante. Et c'est pourquoi c'est important de prendre bien soin de nos surrénales si on veut avoir une immunité qui va être performante. Donc, dans les études, j'ai vraiment fait le tour, vous allez voir, tout est très, très bien documenté scientifiquement. Donc, c'est pas un concept, encore une fois, de naturopathe, là, qu'il faut faire attention de gérer notre stress. C'est documenté scientifiquement. On sait, par exemple, que le taux de lymphocytes, donc nos globules blancs, va baisser lorsqu'on est exposé au stress chronique. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on mange beaucoup de sucre, ça va avoir le même impact sur notre système immunitaire parce que le taux de sucre qui monte rapidement, c'est perçu aussi comme un stresseur pour l'organisme. Donc, l'inflammation, la baisse des lymphocytes, etc., va aussi survenir si on a une alimentation qui est riche en sucre. Au niveau de la gestion du stress, bon, évidemment, on est enfermé chez nous. Méditation pleine conscience, il y a vraiment des études qui démontrent l'impact positif, le yoga et la pratique de l'activité physique. Évidemment, avec ce qu'on peut faire à la maison, mais on peut encore, heureusement, sortir, prendre des marches.
Donc, l'activité physique va non seulement nous aider à gérer le stress, ça va aussi nous permettre de mieux dormir, ça va aider avec notre système digestif, aider à régulariser, par exemple, la constipation, etc. Donc, quand même très important à différents niveaux, l'activité physique, mais directement au niveau de notre système immunitaire, l'activité physique va diminuer l'atrophie de notre thymus. Donc, on garde notre thymus en bon état. Et le thymus est très important, c'est lui qui produit les lymphocytes T, donc qui sont impliqués dans la réponse immunitaire. Et il va augmenter des interleukines 7 qui vont également nous aider à mieux performer face à un agresseur. Donc, l'activité physique, c'est important, pas juste pour le système cardiovasculaire, mais aussi pour notre immunité et notre système nerveux. Si au-delà de ça, on vit de l'anxiété, parce qu'il ne faut pas se le cacher, économiquement, c'est une période très difficile. Il y a des gens qui ont peur aussi de l'avenir, donc ça peut générer beaucoup de stress ou même d'être à la maison toute la journée avec les enfants pour certains ou avec le conjoint, ça peut être anxiogène ou causer du stress. Alors, on peut adopter les adaptogènes, donc qui sont des substances qui vont fournir des nutriments à nos glandes surrénales pour nous aider à mieux faire face aux agresseurs. Alors, dans un premier temps, comme je disais, quand on fait face au stress, on est en stress aigu. Ensuite, on passe dans la phase de résistance si l'agresseur n'est pas enlevé, si on continue d'être en stress. Et éventuellement, on va atteindre une phase d'épuisement. Nos surrénales ne sont plus capables de produire toujours des hormones de stress parce qu'on n'a plus les nutriments, les substances de base pour le faire. Et c'est à ce stade-ci qu'on peut agir de manière très efficacement avec les plantes médicinales, par exemple. Mais en fait, on peut agir au niveau des trois phases, et il y a différentes plantes pour faire différentes choses ou différentes substances aussi pour faire différentes choses. Je peux vous faire une présentation sur le stress qui pourrait durer 2 heures, mais comme ce n'est pas le but de ce soir, j'ai juste voulu vous donner 2 options principales. La première, c'est la ashwagandha. Donc, parmi les différentes plantes qu'on a, qu'on considère adaptogènes, donc qui ont un impact positif sur nos glandes surrénales, qui nous aident à gérer le stress, la ashwagandha est très intéressante parce qu'il a aussi un côté antiviral. Donc, tant qu'à prendre une plante pour nos surrénales, aussi bien en prendre une qui va avoir un impact sur notre immunité dans le contexte actuel. Donc, la ashwagandha, de son nom latin, Vitania somnifera, c'est pas nouveau, c'est utilisé en médecine ayurvédique, donc en Inde, depuis des milliers d'années. La science moderne a identifié au moins 35 principes actifs et on standardise la plante en vitanolides, entre autres, et c'est simplement pour nous assurer qu'elle a suffisamment de principes actifs pour avoir sa pleine efficacité. Mais c'est sûr que chez Awar, on a la plante entière qui est, dont on tire un extrait qui est ensuite encapsulé. Donc, elle va nous aider à moduler le cortisol, donc la première réponse au stress. Donc, c'est bon pour le stress aigu, mais elle va permettre aussi d'allonger notre phase de résistance parce qu'elle permet de conserver notre vitamine C. Les vitamines les plus importantes pour les surrénales sont la vitamine C et la vitamine B5 et donc le magnésium aussi. Mais dans les vitamines, elle permet de conserver la vitamine C, ce qui fait que notre surrénale va avoir de l'énergie pendant plus longtemps. Et au niveau du système nerveux, la ashwagandha agit un peu comme le GABA, c'est-à-dire qu'elle va avoir un côté vraiment calmant. Donc, en plus de supporter notre surrénale, elle va calmer notre anxiété. Et elle a en plus, en prime, parce qu'elle n'a pas juste des principes calmants, on a dit qu'il y a 35 principes actifs identifiés. Donc, elle a des propriétés anti-inflammatoires et anti-arthritiques. Donc, c'est une plante qui va agir à différents niveaux. Au niveau des études cliniques, encore là, il y en avait beaucoup, mais si on voulait ramener ça au niveau de stress et anxiété, on a fait des études, par exemple, sur des nageurs où on a vu que leur performance était augmentée. Et au niveau animal, on a fait des études sur l'immunité et on voit encore là que ça augmente différents paramètres de l'immunité, donc nos cellules tueuses naturelles ou NK, et donc qui sont très importantes pour faire face à des infections. Alors, chez Awar, la formule qu'on a, c'est le Ganda 600. Donc, c'est vraiment de l'extrait pur d'ashwagandha. 600 mg par capsule, donc un dosage qui est quand même très considérable. C'est une efficacité thérapeutique à cette dose-là. Et aussi, c'est important de noter qu'on a 120 VG capsules dans la bouteille. Quand on compare les produits et des prix Awar, il faut faire attention un petit peu à cet aspect-là parce que
On a quand même un rapport qualité-prix qui est très intéressant, mais si vous regardez juste le prix sur la bouteille, des fois, ça peut être un peu surprenant. Donc, bien noter qu'il y a quand même 120 VG capsules de 600 mg d'extrait d'ashwagandha standardisé, donc dont on connaît l'efficacité thérapeutique. Donc, une plante d'usage traditionnel, bien documenté scientifiquement. Il peut par contre y avoir des interactions au niveau médicamenteux si vous prenez déjà des antidépresseurs ou des anxiolytiques, donc c'est bon de vérifier. Les grandes chaînes comme Avril, La Moisson, etc. ont des naturopathes sur place où vous pouvez évidemment consulter. On continue à offrir des consultations via Skype. Donc, vous pouvez consulter si vous n'êtes pas certain, mais pour la majorité des gens, c'est une plante très efficace. C'est une plante aussi qu'on peut donner aux enfants, simplement réduire les dosages. Les enfants aussi vivent beaucoup de stress dans la période actuelle. Le deuxième produit qui pourrait être très intéressant, je dirais, surtout si vous allez plus dans le côté de l'épuisement, ça serait l'orthoadap. L'orthoadap va contenir l'ashwagandha, mais il va contenir un mélange de plantes qui agissent en synergie, donc qui travaillent ensemble pour augmenter notre résistance, qu'on soit en phase aiguë, en phase chronique ou en phase d'épuisement par rapport à l'agent stressant. Le ginseng, c'est une plante bien connue comme adaptogène. Elle aide dans les trois phases. La réglisse, c'est vraiment le petit côté fouettant qui va nous remonter quand on est plus dans la phase d'épuisement. Le rhodiola, qui est un très bon modulateur du cortisol, donc en début de stress, ça va être très bien pour les gens qu'on appelle tired but wired, donc qui se couchent le soir très fatigués, mais qui ne sont pas capables de s'endormir parce que leur taux de cortisol est élevé. Et ensuite, mon ingrédient préféré de cette formule-là, qui est l'extrait glandulaire. Donc, il y a 125 mg d'extrait de glande surrénale à l'intérieur du produit pour vraiment supporter l'activité de nos propres glandes. C'est des glandes d'origine porcine qui viennent du Danemark, évidemment, qui sont très, très, très bien testées pour s'assurer qu'il n'y ait évidemment pas de choses qu'on ne veut pas dans les glandes, mais ça fait un impact très important. C'est vraiment le produit que vous allez sentir le plus son action dès que vous commencez à prendre l'orthoadap. Et donc, le dosage proposé, c'est 4 capsules par jour, mais pour la majorité des gens, on n'a pas besoin de se rendre à 4. Une à deux par jour, ça va être suffisant pour beaucoup de personnes, mais c'est quand même un produit qu'on peut prendre à dosage un peu plus élevé. Par exemple, si on a pris des médicaments comme la cortisone, qui est très, très dur pour nos surrénales, ou si on est en phase d'épuisement actuellement, ça pourrait être une dose intéressante, là, mais pour la majorité des gens, 2 capsules, 3, ça va faire le travail. Pardon. On trouve aussi à l'intérieur la vitamine C et la panthétine, donc la forme coenzymatique ou la forme active de la vitamine B5. Alors, ce seraient mes deux produits pour gérer votre stress, l'épuisement, l'anxiété qui entoure la situation actuelle, et pas juste pour que vous vous sentiez mieux, mais vraiment parce que c'est important pour votre système immunitaire. Donc, voici le produit OrthoAdapt, encore une fois, du 120 capsules. Un petit truc aussi par rapport à ça, des fois, Santé Canada restreint nos dosages qu'on peut vous recommander. Mais si vous regardez la quantité de capsules ou de VG capsules, dans ce cas-ci, c'est 120. Donc, vous savez tout de suite que c'est du 4 capsules par jour qui est recommandé parce qu'on va toujours vous mettre dans la bouteille le dosage optimal pour un mois. Donc, si par exemple, c'est écrit une capsule par jour, mais que vous voyez qu'il y en a 120, vous savez que la dose thérapeutique versus la dose Santé Canada, la dose thérapeutique est à ce moment-là de 4 capsules par jour. Petit point à noter aussi, le produit est disponible en version végane, c'est-à-dire qu'il ne contiendrait pas à ce moment-là les extraits de surrénales. Pour les gens pour qui c'est important, c'est une bonne alternative. Pour les autres, je vous dirais qu'au niveau de l'efficacité thérapeutique, celui avec l'extrait de glande va vraiment fonctionner plus rapidement. Vous allez sortir de la phase d'épuisement beaucoup plus rapidement avec l'extrait de glandes surrénales. Au niveau alimentaire, évidemment, on va mettre l'emphase sur toutes les épices qu'on connaît, qui ont des propriétés antibactériennes, antivirales. Bon, l'ail, les oignons, évidemment, mais aussi tous les bons gras dans notre alimentation pour aider à gérer le processus inflammatoire et tout ce qui contient également les substances phytonutritives, là, tous les antioxydants qu'on connaît des plantes, des légumes et des fruits. Donc, vraiment mettre l'emphase de ce côté-là, c'est pas à
absolument nécessaire de devenir végétarien, mais mettez vraiment l'emphase du côté des plantes. Vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont stocké des non-périssables dans l'alimentation, mais encore des très, très, très belles sélections au niveau des supermarchés, d'aliments frais, de fruits et de légumes. Donc, vraiment mettre l'emphase de ce côté-là. Le fait d'alléger du côté digestif aussi va faire que vous allez avoir une immunité qui va être plus performante. Les aliments à éviter, absolument le sucre, alcool, gluten parce que ça crée une charge sur votre système immunitaire, parce que ça rend votre intestin poreux. Et quand l'intestin poreux, il y a des molécules alimentaires, mais aussi des virus, des bactéries qui peuvent rentrer dans votre système circulatoire et qui vont déclencher de l'inflammation et des réactions immunitaires. Donc, si vous passez votre temps, si votre organisme est toujours en train de lutter contre des particules de gluten qui sont en circulation dans votre organisme, eh bien, il va être moins efficace lorsqu'il fera face à un virus comme le SARS-CoV-2. Donc, bien important d'éviter les substances très allergisantes comme le gluten, même si vous n'avez pas de diagnostic. Les produits laitiers aussi, les ombellifères, ça c'est tout ce qui est les aubergines, par exemple. Cette famille-là, chez les gens qui ont des tendances neuroarthritiques, on voit des liens au niveau de l'inflammation. Les aliments ultra transformés et les huiles élevées en oméga-6, je pourrais rajouter aussi les produits animaux. Alors, comment on sait de quoi on a besoin du côté alimentaire? C'est sûr que l'idéal, c'est d'aller tester. On a un excellent test qui est disponible chez AWARE depuis le mois de mai. C'est un test qui nous parle de nos prédispositions génétiques. Donc, on ne peut pas, sur la base de ce test-là, établir un diagnostic de quoi que ce soit, et non pas plus d'intolérance au gluten. Mais on peut aller voir, par exemple, au niveau de la génétique, est-ce que vous avez une prédisposition d'être intolérant au gluten? On parle d'alimentation, mais on parle de détox, on parle de santé hormonale, on parle des besoins spécifiques au niveau des nutriments. Il y a vraiment 8 champs d'application clinique qui sont dedans. Et contrairement à d'autres tests qui existent sur le marché, ce test-là a été conçu par notre équipe de conseillers médicaux chez AWARE. Donc, c'est fait pour que votre naturopathe ou votre nutritionniste ou votre coach soit capable de le comprendre. Vous pouvez même le comprendre, ça vient avec un beau rapport en français de 50 quelques pages et avec énormément d'informations. Donc, même si vous n'êtes pas suivi par quelqu'un, vous pouvez retirer énormément d'informations de ce test-là. Et donc, si vous êtes fortement prédisposé, par exemple, à être intolérant au gluten, bien, évidemment, ça va vous aider aussi à être plus motivé à ne pas en consommer si vous connaissez vos prédispositions. Mais vous allez voir aussi qu'au niveau, par exemple, de la vitamine D, ça peut faire une grosse différence de savoir si on a un risque d'avoir une mauvaise absorption ou une mauvaise utilisation de notre vitamine D. Mais c'est vrai pour d'autres vitamines comme les vitamines B12, par exemple. Alors, voici un exemple du rapport. Le rapport est disponible en ligne, mais vous pouvez l'imprimer. Comme je disais, une cinquantaine de pages et vous pouvez l'obtenir en français ou en anglais. Donc, l'immunité, comme je vous disais, il y a 80% de l'immunité qui part dans notre intestin. Donc, c'est bien important de maximiser, d'optimiser notre intestin. Il faut absolument qu'on ait minimalement une selle par jour, idéalement 2 à 3. Comme on ne bouge pas beaucoup ces temps-ci, c'est plus compliqué, mais il faut minimalement avoir une selle par jour. Donc, si votre digestion ne va pas très bien, j'ai un webinaire à la fin du mois d'avril sur la digestion. Je vous invite à vous inscrire, mais c'est très important que la digestion soit optimale parce que si vous avez, comme je disais, une porosité intestinale, des intolérances alimentaires, vous créez un fardeau sur votre immunité. Et donc là, c'est beaucoup plus difficile parce que tout ce que vous créez comme antigènes et anticorps, etc., vont se ramasser éventuellement dans votre système lymphatique qui va prendre un peu le relais, c'est un peu le système d'égout de notre corps, le système lymphatique. Et donc, vos lymphocytes, votre système immunitaire voyagent aussi par le système lymphatique. Donc, si tout ça est congestionné parce que vous n'avez pas une digestion optimale, vous n'avez pas une élimination optimale, votre immunité va être beaucoup moins performante. Donc, très important de débuter par l'intestin. Et donc, ici, il y a un diagramme un peu plus complexe qui explique cette relation entre l'intestin et les poumons. Mais essentiellement, c'est que s'il y a une porosité intestinale et que l'inflammation qui est au niveau pulmonaire se rend à l'intestin, c'est comme si on crée une surinfection.
c'est plus complexe que ça, mais c'est pour vous dire que ce qui se passe dans votre intestin a un lien direct avec ce qui se passe dans vos poumons. Donc, il faut vraiment commencer par régler tout ce qui se passe au niveau digestif. Là, c'est une espèce de résumé d'un module de 3 heures que je vous ai mis en 6 points avec des exemples de produits, mais encore là, ça serait mieux de consulter pour avoir de l'aide à résoudre les problèmes intestinaux. Mais, entre autres, faire attention qu'il y ait de l'acide chlorhydrique dans votre estomac. Si vous prenez des médicaments antiacides, vous enlevez votre première ligne de défense contre les virus et les bactéries. Donc, il y a des alternatives naturelles, comme par exemple le Gastro Relief. Il faut avoir des enzymes pour digérer correctement. Si on a besoin de réparer la paroi intestinale, la glutamine, c'est le premier supplément sur lequel on doit se pencher, mais il y en a d'autres qui sont très bien faits, comme le IBD Relief, DGL 760, Mastica et d'autres. Rééquilibrer le microbiome grâce aux probiotiques. On a 3 excellents probiotiques chez AOR. Ce soir, on va parler principalement du Advanced Biotique et l'importance de consommer des fibres. C'est très difficile, si on se fie juste sur nos aliments, d'aller chercher le 35 g de fibres par jour qu'on devrait consommer pour une santé optimale. Donc, moi, j'utilise un produit Solifibre d'AOR qui disparaît, qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de goût. On le met tout simplement dans notre smoothie ou dans n'importe quel jus ou de l'eau même durant la journée pour augmenter notre apport en fibres. Et les fibres, ce n'est pas juste pour le cholestérol et pour ne pas être constipé. Les fibres servent aussi de nourriture à vos probiotiques. Donc, autrement dit, si vous dépensez beaucoup d'argent tous les mois sur un probiotique, mais que vous n'avez pas assez de fibres dans votre alimentation, c'est très possible que votre probiotique ne vous donne pas son efficacité optimale. Donc, c'est bien important d'avoir suffisamment de fibres. Alors, probiotiques et immunité, encore là, ce n'est pas des histoires de naturopathes, c'est très, très bien documenté scientifiquement. Bifidobacterium, les lactobacillus, ont démontré avoir une activité immunitaire antivirale directement, donc sur les virus, peuvent réduire la fréquence, la gravité et la durée des infections virales des voies respiratoires telles que l'influenza, qui est aussi donc un virus à ARN. Deux méta-analyses publiées par le York Health Economic Consortium et la Cochrane Library, donc des trucs très officiels en 2019, ont rapporté l'efficacité des probiotiques dans la réduction de l'incidence, de la durée de ces infections, du nombre de traitements antibiotiques et des jours d'absence du travail. Donc vraiment sur tous les aspects de l'influenza ou de la grippe. Les chercheurs ont conclu que les améliorations se traduisent par des économies de coûts considérables pour le payeur et pour la société. Alors, encore une fois, si vous traînez des restants d'infection parce que, justement, vous n'avez pas le microbiome ou une bonne flore intestinale, ça réduit l'efficacité de votre système immunitaire face à des nouveaux agresseurs comme le virus qu'on connaît actuellement. Alors, dans les souches de bactéries qu'on a dans ce produit-là, il y a 7 souches. Et il y en a 5 qui sont d'origine humaine, donc qui vont faire qu'on peut les implanter dans notre intestin. Il y en a une qui est particulièrement bien documentée, c'est le Bifidobacterium longum. On aime beaucoup les Bifidobacterium chez AOR parce que justement, beau profil d'innocuité et d'efficacité. Alors, cette souche particulière qui est la BB536 est l'une des plus étudiées au monde. Il y a 100 publications scientifiques in vitro, in vivo et cliniques juste sur ce probiotique-là. Ça, c'est très important parce que souvent, les gens vont vous parler d'études et vous parlent d'études qui ont été réalisées, en fait, in vitro, donc dans un tube de laboratoire. Mais on ne sait pas si le probiotique survit vraiment quand il est dans des conditions humaines. Donc, c'est important d'avoir des études solides. Alors, la stabilité et la conservation du produit sont particulièrement intéressantes. Tous nos probiotiques chez AOR sont thermostables, c'est-à-dire qu'ils sont conservables à température ambiante. Vous les gardez au frigo, mais vous pouvez très bien les garder également à la température de la pièce. Donc, dans ce cas-ci, il y avait 80 % des cellules qui étaient actives après 48 mois à température ambiante. Donc, 4 ans de probiotiques à température ambiante et il y a encore 80 % des cellules qui sont en vie. Et si vous comparez, alors on a le petit graphique là à côté avec la référence clinique, bien, vous voyez que ce n'est pas vrai nécessairement pour les autres probiotiques, mais c'était vrai dans le cas du Bifidobacterium longum BB536. Et donc, très bonne résistance aussi à l'acidité gastrique. Et c'est un produit qui a été testé chez toutes les populations, incluant les bébés prématurés, les femmes enceintes, les personnes âgées. Très souvent, vous allez voir sur les produits une
un avertissement de Santé Canada, en fait, qui dit que le produit ne peut pas être utilisé chez les femmes enceintes et tout ça. C'est habituellement parce qu'ils n'acceptent pas les études chez les femmes enceintes pour des raisons d'éthique, mais dans ce cas-ci, le produit a été testé chez les femmes enceintes. Alors, une autre des souches qu'on retrouve dans le Advanced Biotique, c'est le Lactobacillus rhamnosus R11. Alors, une université canadienne, l'Université acadienne de Nouvelle-Écosse, a fait une étude sur cette souche-là et elle a vu que la production de cytokines dans les muqueuses intestinales était influencée par cette souche de probiotiques spécifiquement. Donc, la production de cytokines générée par les bactéries L. rhamnosus a le potentiel d'affecter profondément le micro-environnement des muqueuses intestinales, influençant la réponse immunitaire aux agents pathogènes et aux antigènes ingérés. Donc, vraiment d'avoir ces bactéries-là à l'intérieur de nous, nous permet de mieux faire face à tout type d'infection. Je n'ai pas eu le temps de tout couvrir les souches qu'on a dans le Advanced Biotique, mais je voulais quand même au moins vous montrer qu'il y en a deux qui sont très, très bien documentées, mais elles le sont toutes. Donc, c'est le produit. Voyez les longs, longs chiffres, ce n'est pas du 5 milliards ou 7 milliards, c'est que, en fait, les bons produits devraient être identifiés en termes d'unités formant des colonies et non pas en milliards de bactéries. Ça rend la comparaison avec d'autres marques un peu plus compliquée, mais encore là, ce n'est pas juste une question de nombre de bactéries. Il faut s'assurer que ces bactéries-là cohabitent bien ensemble. On a de la misère à s'entendre, on le voit là, à 2, 4, 6 dans notre maison. Imaginez des milliards et des milliards et des milliards de bactéries. Alors, c'est important de savoir que ces bactéries-là cohabitent harmonieusement ensemble, s'implantent dans notre intestin, mais aussi qu'elles survivent à l'acidité gastrique dans notre estomac, à notre température corporelle, parce que plusieurs virus et bactéries qui sont inactivés à une température plus élevée. C'est pour ça qu'on a le mécanisme de la fièvre. Donc, c'est important de tester correctement les probiotiques. Alors, ça serait une très, très, très bonne option. Et c'est une très bonne façon de prévenir, puisque, comme on disait, 80% de notre immunité se situe dans notre tube digestif. Donc, de prendre un probiotique de manière préventive, ça peut être une excellente stratégie. Maintenant, on va passer à ce que j'ai appelé la nutrithérapie orthomoléculaire. C'est-à-dire qu'on va parler des vitamines et des minéraux qui sont les plus importants au niveau de la prévention des infections. Et je vais vous parler aussi des mécanismes d'action. Alors, le supplément. Le premier, je vous ai mis par ordre d'importance, le premier, c'est les probiotiques. Alors, vous commencez par refaire une fondation dans votre intestin, comme je vous disais, parce que si l'intestin est poreux, vous recyclez beaucoup de toxines, ce qui éventuellement affaiblit votre système immunitaire et encombre votre système lymphatique, qui va faire que vos gardiens, votre système immunitaire ne peut pas être efficace. Donc, il faut vraiment commencer par l'intestin. Alors, les probiotiques, et si vous avez un intestin poreux, ça c'est tout un autre sujet, mais ça serait de minimalement enlever le gluten, de prendre des substances comme la glutamine pour réparer et de remettre des bonnes bactéries en place avec un produit comme le Advanced Biotique. Au niveau des vitamines, la plus importante, celle qui a le plus de mécanismes d'action en termes de stratégie anti-infectieuse et pour prévenir les virus, c'est de loin la vitamine D. Donc, on nous parle beaucoup de virus saisonniers. Entre autres, le SARS-CoV, on dit qu'il y a un aspect saisonnier parce que c'est une infection respiratoire, comme l'influenza, comme le premier SARS qu'on a connu. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est aussi que l'hiver, on est moins exposé au soleil, donc on produit moins de vitamine D. Donc, est-ce que c'est vraiment que ces virus sont saisonniers ou c'est que l'hiver, on est plus vulnérable? Il y a tout cet aspect-là. Donc, vraiment, en plus qu'on est enfermé dans nos maisons, la vitamine D, moi, ça fait des années que j'en parle, on a un gros problème de carence de vitamine D au Canada, et je vais vous citer les sources, vous allez voir, il n'y a pas juste moi qui en parle, mais c'est vraiment la première vitamine sur laquelle vous devez mettre l'emphase. Alors, la vitamine D, qui n'est en fait pas une vitamine à son sens strict, parce qu'une vitamine, par définition, c'est un produit qu'on doit se procurer via notre alimentation, les suppléments que notre corps ne fabrique pas. Et la vitamine D, on est capable d'en produire de sources endogènes lorsque notre peau est exposée aux rayons UVB, le rayon ultraviolet du soleil. Alors, on a une mauvaise tendance aussi au Canada, c'est de se supplémenter en vitamine D l'hiver, mais d'arrêter l'été.
Et ce n'est pas tout le monde qui est exposé l'été ou encore là, qui se badigeonne avec des crèmes solaires qui vont bloquer ce mécanisme de production de la vitamine D. Alors, il ne faut pas juste s'exposer, mais il faut être capable d'en produire. Donc, dans sa forme naturelle, on va dire, dans l'environnement, elle vient sous deux formes. La D2, qui est essentiellement de source végétale, et la D3, qui est essentiellement de source animale. Vous allez voir que chez Aouin, on a pris une source végétale, qui est le lichen, et on l'a converti en D3 tout de suite, parce que c'est plus avancé, comme vous le voyez dans le diagramme à droite, dans la chaîne d'absorption. Ce que vous devez savoir de la vitamine D aussi, regardez le diagramme à droite, là. Il y a plusieurs étapes de conversion pour que ça arrive jusqu'à notre circulation sanguine et éventuellement jusqu'à notre cerveau. Mais chacune de ces étapes-là dépend de certaines enzymes. Et ces enzymes-là peuvent être mutées génétiquement. Ça arrive très régulièrement et va faire que vous avez besoin de beaucoup plus d'exposition solaire ou de beaucoup plus d'apport de vitamine D pour faire votre produit fini. Moi, quand j'ai fait mon test, c'était mon cas. Je savais que j'étais extrêmement sensible aux fluctuations de vitamine D. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'exposition solaire, beaucoup de supplémentation en vitamine D. Quand j'ai fait mon test, My Blueprint, comme je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, j'ai 4 mutations sur 4 enzymes. Donc, vraiment, pour moi, ça ne veut pas dire que je ne peux pas en fabriquer, mais ça veut dire que j'ai de la difficulté à le faire. Donc, ça me prend des doses beaucoup plus élevées et ça peut être votre cas aussi. Donc, c'est pour ça que les recommandations de 1000 unités internationales qu'on nous permet dans les suppléments, ce n'est vraiment pas suffisamment. Puis, je vais vous citer les sources. Donc, l'autre point qu'on doit savoir, c'est qu'on a mis beaucoup l'emphase sur l'aspect du métabolisme osseux pour la vitamine D, mais sur nos 30 000 gènes ou à peu près, là, il y a quand même 229 gènes qui sont affectés directement par la vitamine D. Il y a 2776 sites de liaison pour le récepteur à vitamine D. C'est-à-dire qu'il y a peut-être le dixième de tous nos gènes qui vont réagir à la vitamine D. Donc, la vitamine D est super importante pour notre immunité. Elle est importante pour, évidemment, toute la prévention des maladies infectieuses, mais tout l'aspect des maladies auto-immunes, des maladies comme le cancer aussi. Elle est très importante pour notre cerveau, donc la prévention de l'Alzheimer, de tout le déclin cognitif, pour l'humeur. Beaucoup de dépression saisonnière est reliée à la carence en vitamine D, par exemple. Donc, c'est vraiment une vitamine très, très, très sous-estimée et dont on n'en prend pas assez, même quand on est sensibilisé. Donc, on a fait des études et on a vu que lorsque on a une carence en vitamine D, l'immunité va être affecté directement. Je vous explique les mécanismes cellulaires qui sont là. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'au niveau pulmonaire, il y a des cellules dans nos poumons qui ont la capacité de transformer la vitamine D sous sa forme active directement in situ. C'est à ce point que la vitamine D, elle est importante pour nos poumons. Au niveau de l'inflammation, elle va permettre de supprimer les cytokines inflammatoires. Vous vous rappelez qu'on a parlé de tempête de cytokines au début, donc très importante pour éviter, si par exemple vous contractez l'infection, qu'il y ait une dégénération de ce côté-là. Selon l'OMS, la carence en vitamine D est associée à un risque accru de grippe, d'infections respiratoires comme la pneumonie, la tuberculose et la bronchiolite. Donc, même l'OMS en est conscient, vous avez les références en bas. Encore une fois, je pourrais vous faire une dissertation sur la vitamine D. Je vous ai mis l'information par écrit, on ne va pas toute la dissecter ce soir. Ce qu'on doit savoir, c'est que la vitamine D est importante pour nos deux immunités, l'immunité innée et l'immunité qu'on développe, qu'elle a un impact sur les cellules TH, nos lymphocytes, donc nos CD4, sur les différents types de cytokines, mais que ça a aussi une réaction directe au niveau de la réponse contre les microbes. Donc, il a été démontré que la vitamine D améliore la chimiotaxie, les peptides antimicrobiens, la différenciation des macrophages. Elle peut inhiber la maturation des cellules dendritiques, la différenciation TH1 et TH17 et favoriser les fonctions immunorégulatrices des cellules très. Bref, un grand jargon scientifique, mais pour dire que la vitamine D est vraiment cruciale. Au niveau des infections, je vous ai cité plusieurs études cliniques. Au niveau des enfants, par exemple, une étude japonaise, on a vu qu'en leur donnant une dose quotidienne de 1200 unités, donc pas des doses énormes, mais quand même supérieures à ce que Santé Canada recommande, on a diminué l'influenza de 64% au niveau des enfants dans l'âge scolaire. 64%, c'est pas rien. Ensuite, grippe et infection des voies urinaires, on voit qu'on a travaillé avec des doses de 2000 unités. Ensuite, une autre étude,
On a, par exemple, au niveau des personnes âgées, des personnes en bonne santé. Ensuite, regardez les dosages ici. C'est-à-dire pas les dosages, mais les statistiques, on a réussi à réduire de 126 à 467 le nombre d'attaques, la sévérité, etc., chez des personnes qui souffrent de bronchopneumonie. Donc, vraiment, les gens, ce qu'on voit avec la vitamine B, c'est que plus on est carencé et plus on a des problèmes, en fait, au niveau de l'immunité, plus l'impact de la vitamine D va être remarquable. Donc, c'est bon pour tout le monde, mais d'autant plus si on en a besoin. Et donc, mortalité accrue, c'est une étude du British Medical Journal en 2014. Donc, vous voyez des études récentes, des trucs très officiels. Donc, il faut faire attention quand on lit des grands titres dans les journaux que ça ne donne rien de prendre de la vitamine D ou de la vitamine C pour prévenir COVID. Bon, moi, je suis pas convaincue. Je pense que plus on est équipé, plus on peut faire face. Mais il faut voir aussi que si on est infecté quand même, dans quel état on y fera face. Donc, plus notre immunité aura les nutriments pour se défendre, mais plus on sera capable de le faire. Et étude après étude, on voit que quand il y a des carences, on ne le fait pas exactement. Alors, qu'en est-il des dosages? Un autre sujet très controversé. Santé Canada nous parle de 400 à 800 unités par jour selon qu'on est une femme, un enfant, etc. Et on nous dit que le maximum, l'apport maximum tolérable est entre 1000 et 4000 unités par jour. Là, je vous le dis, c'est mon opinion, mes recherches. Je n'engage pas à OIR quand je vous dis ça, mais vous allez voir que vous avez des sources quand même très officielles qui diffèrent de ce que Santé Canada dit. Donc, Ostéoporose Canada parle déjà de doses un peu plus élevées. On nous dit que tous les adultes devraient prendre un supplément et on devrait aller jusqu'à 2000 unités par jour. Encore là, tant Santé Canada comme Ostéoporose Canada focus sur l'aspect du métabolisme osseux, mais on n'a pas vérifié de quoi on avait besoin pour la santé optimale, de quoi on a besoin pour l'immunité. Moi, j'ai fait les recherches. Il n'y a pas de recommandation émise à ce niveau-là, mais il y a un mouvement très intéressant aux États-Unis, qui est constitué d'une cinquantaine de médecins qui font de la recherche spécifiquement sur la vitamine D. C'est Grassroots Health Nutrient Research Institute. Vous pouvez aller chercher leur site web. Ils vendent des tests de vitamine D aussi que vous pouvez faire venir en ligne. Donc, vous pouvez tester vous-même votre taux de vitamine D. Et selon eux, on devrait viser plus le 4000 unités par jour. Selon l'Institute of Medicine, donc vous trouvez aussi la référence sur ce site-là, on dit qu'on peut aller jusqu'à 10 000 unités internationales par jour sans problème. Encore une fois, je vous ai dit, on peut avoir des différentes variations, prédispositions qui vont faire qu'on a besoin d'une dose plus ou moins élevée. Donc, la seule façon de savoir, c'est de tester. Tester nos prédispositions avec un test comme MyBlueprint, mais faire tester au niveau sanguin aussi pour savoir où on se retrouve. Parce que on peut bien en prendre 4000 ou 5000 par jour, mais si on a un problème de conversion, comme par exemple c'était mon cas, c'est mon cas, eh bien, ça se peut qu'on soit encore dans les limites inférieures. Et encore là, au niveau du test sanguin aussi, il y a de la controverse. Donc, Santé Canada nous dit, entre 30 et 50, vous êtes peut-être carencé. Il vaut mieux essayer d'aller jusque vers le 50 nanomoles par litre. Ostéoporose Canada nous parle de 75 nanomoles par litre, mais selon le Grassroots Movement, les 48 scientifiques dont je vous parlais, et beaucoup d'autres personnes qui font de la recherche sur la vitamine D, on nous parle de 100 à 150 nanomoles par litre. Donc moi, j'essaie de viser un 125 pour me tenir autour de ça. Alors, si on regarde au niveau des carences, bien, même si on prend le petit 50 nanomoles, qui est vraiment le minimum, en bas duquel on n'a pas le rachitisme, là, il y a quand même 38 % des gens qui n'atteignent pas ce taux. Et si on va vers un taux optimal de 100-150, on monte à 93 % de la population qui n'a pas ses besoins en vitamine D comblés. Qu'est-ce que ça fait ça, au niveau de l'immunité? C'est énorme. Donc, le docteur Schwaffenberg de l'Université d'Alberta nous dit que si les Canadiens atteignaient le taux optimal, lui vise le 100 nanomoles par litre, cela permettrait de prévenir 23 000 décès prématurés et d'économiser 12,5 milliards annuellement en soins de santé. Pensez-y, vitamine D, beau, bon, pas cher, si vous faites une intervention pour votre immunité, que ce soit la vitamine D. Encore là, dans des doses qui vont avoir un impact thérapeutique. Je vous parle ici des variations génétiques. Vous voyez, il y a cinq
gènes qui peuvent être affectés dans votre capacité à utiliser la vitamine D. C'est un exemple de ce que vous auriez comme réponse dans le test My Blueprint. Évidemment, j'ai juste fait un petit extrait du tableau, mais il y a des pages et des pages. On vous parle des sources de vitamine D, on vous dit quoi faire, on vous recommande d'aller faire tester. Parce qu'évidemment, le test ne vous donne pas votre taux de vitamine D. Le test va juste vous dire si vous avez des prédispositions à mal utiliser votre vitamine D. Mais la seule façon de savoir avec certitude quel est le dosage que vous devez prendre, c'est d'avoir un test sanguin. En prévention, si vous n'avez pas la possibilité de faire des tests à court terme, dans mon expérience clinique, je recommande régulièrement des doses de 5000 unités internationales aux adultes en bonne santé pour tout l'hiver. Et quand ils font tester, ça se maintient autour de 100, 120, 130 selon l'efficacité de la personne à convertir sa vitamine D rendue au printemps. Donc, et comme vous avez vu, on peut aller jusqu'à 10 000 sans gros problème. Alors, dans un contexte de pandémie où on essaie de prévenir une infection, je vous dirais, allez entre 3 000 et 5 000 si vous êtes en bonne santé et consultez si vous avez besoin de recommandations ou faites tester, ça sera encore mieux, votre taux de vitamine D. Alors, comme je vous disais, celle d'Aware, c'est de la vitamine B3, donc plus avancée dans la lignée, même si elle provient du lichen. C'est une source considérée végétalienne. On l'émulsionne dans une base d'huile de coco, ce qui la rend encore plus biodisponible. Donc, on l'absorbe très, très bien. C'est un goût neutre. On le camoufle facilement. C'est facile à donner aux enfants. On a un format de 50 ou 100 ml. Je vous ai fait le calcul des doses. Et vraiment, le 100 ml est beaucoup plus avantageux en termes de prix. Si vous prenez une dose de 1000 unités, qui est selon moi vraiment le strict, strict, strict minimum, ça vous revient quand même avec le format de 100 ml à 8 sous. Même pas 8, ouais, 8 sous la dose. Donc, vraiment un produit intéressant. Vous pouvez le donner aux enfants. On l'a en format enfant, mais la seule chose qui change, c'est le compte-goutte à l'intérieur. Donc, au niveau du rapport qualité-prix, la meilleure option, c'est le gros format en version adulte et vous en donnez tout simplement moins aux enfants. Dosage pour les enfants, habituellement autour de 2000 unités par jour. La vitamine C, on la connaît. Pas besoin d'aller trop loin dans tous les bons aspects de la vitamine C. En gros, ce que c'est un antioxydant, donc ça neutralise tous les radicaux libres auxquels on est exposé. En termes de l'immunité, vous avez tous les détails de ce que la vitamine C va faire, mais elle exerce aussi une action antivirale directement. Elle peut inactiver les virus de manière générale, donc à large spectre, supprimer l'expression de la réplication virale dans les cellules infectées. Vous vous rappelez, au début, on a parlé du mécanisme de réplication des virus. On cherche des médicaments pour le faire parce qu'on peut les breveter, faire des millions dessus, mais on a déjà la vitamine C qui fait ça. Donc, en passant, il y a des études qui se font présentement sur COVID, on va en parler aussi. Et aussi au niveau de la tempête de cytokines, bien, vous comprenez bien que d'avoir un antioxydant qui va empêcher que cette tempête fasse trop de dommages, ça va être aussi très intéressant. Donc, encore une fois, du détail sur la vitamine C, mais l'implication de la vitamine C dans la régulation du système immunitaire est vitale afin de prévenir les lésions tissulaires. De faibles niveaux de vitamine C peuvent affaiblir le système immunitaire et vous avez encore une fois les références cliniques, tout est cité, vous pouvez rechercher tout ce que je vous dis. Et encore une fois, ça joue du côté de l'immunité innée, de l'immunité adaptive qui est vraiment ou acquise, qui est vraiment celle qui est plus impliquée dans le cas de la défense contre le virus actuel. Vous voyez que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de paramètres qui vont être touchés par la vitamine C, donc vraiment différentes façons d'augmenter notre immunité via la consommation de vitamine C. Je vous ai situé encore là beaucoup d'études cliniques. Souvent, on va vous dire que oh, la vitamine C, tout ce que ça fait, c'est réduire un petit peu l'incidence de la grippe de quelques jours. Il faut voir qu'encore une fois, dans les études cliniques, souvent, on ne va pas aller chercher des dosages vraiment thérapeutiques. Et souvent, le but, c'est de discréditer un petit peu les produits naturels. Mais si vous cherchez, vous en trouvez des très, très, très bonnes études. Par exemple, ici, personnes âgées, 80% moins de décès sont survenus dans le groupe qui prenait de la vitamine C. 80%, on est avec des chiffres sérieux. Inefficace en prévention. Donc, encore une fois, les études ont recours à des doses maximales de 1000 mg par jour. Ce n'est pas nécessairement une dose suffisante. Alors, il faut aller avec des doses plus élevées. En prévention, on peut y aller avec à peu près 3000 mg par jour. Et si on a les premiers signes d'une infection, là, très rapidement, il faut augmenter nos doses. Très souvent, ce que les praticiens vont recommander, si vous allez jusqu'à la tolérance intestinale, donc quand vous commencez à avoir des selles plus molles, vous réduisez de 500 mg
ou de 1000 mg si vous avez des capsules de 1000 mg et c'est la dose que vous voulez maintenir. Donc, c'est vraiment pour avoir une saturation, si on veut, de nos cellules pour qu'il y ait un effet maximal au niveau de notre immunité. Évidemment, on ne peut pas se surdoser à la vitamine C. C'est une vitamine qui est hydrosoluble, donc on l'urine au fur et à mesure. Et c'est pour ça que c'est important d'utiliser nos doses de manière fractionnée aussi, donc les répartir dans le courant de la journée. Alors, vous avez peut-être entendu dans les journaux, et puis après ça, ça avait été qualifié de fake news. C'est pas vrai que c'est une fake news. Il y avait un argument sur le comité d'un hôpital de Shanghai qui avait été mal cité. Et quand on lisait juste le devant de l'étude, ça disait fake news en avant. Encore une fois, un effort de censure par rapport aux produits naturels. Quand on va aller voir l'information bien détaillée, on voit qu'il y a présentement 3 études cliniques qui ont cours en Chine. Il y en a ailleurs aussi. J'ai vu qu'il y en avait aux États-Unis. Mais en tout cas, celles-là, officiellement, elles ont été présentées. Donc, il y en a 3. Et les résultats de la première sont déjà ressortis. On parle de résultats prometteurs. Évidemment, c'est des injections de vitamine C à haute dose. Dans ce cas-ci, on parle de 24 grammes de vitamine C dans les protocoles qui ont été approuvé. Alors, il y a différentes sortes de vitamine C sur le marché, on le sait. Ascorbique versus ascorbate, donc quand on la tamponne avec des minéraux alcalinisants comme le calcium, le magnésium, des marques comme l'Ester C. En gros, ces références viennent du site de médecine orthomoléculaire de Linus Pauling. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grande différence au niveau d'une petite étude sur 9 personnes. L'étude qui a été faite par Ester C, ce n'est pas une étude qui a été publiée, donc c'est eux qui ont une étude sur leur propre produit, donc ça vaut ce que ça vaut. Au niveau des bioflavonoïdes, il y a 10 études qui ont été faites. Il y a une étude qui montrait une légère rétention, un peu mieux de la vitamine C quand il y avait des bioflavonoïdes. Ultimement, il faut savoir qu'il y a des vitamines C de source naturelle. Ça n'existe à peu près pas, là. Elles sont toutes faites en laboratoire ultimement parce que les dosages sont trop minimes dans les ingrédients. Donc, ça serait sinon ben, du 17 mg ou du 20 mg. Ça ne serait pas des doses de 1000, 2000, 3000 comme on a besoin de prendre pour avoir un impact thérapeutique. Au niveau liposomal, oui, il y a des études qui nous montrent que l'absorption serait supérieure. Par contre, le problème, c'est que l'absorption n'est pas tant supérieure, mais le prix, lui, est très, très supérieur. Donc, en tout et partout, on peut aussi juste prendre plus de vitamine C qui n'est pas liposomal et aller chercher des résultats intéressants. Il faut faire attention aussi parce que tout ce qui est liposomal ne s'équivaut pas. Il y en a qui contiennent de l'alcool, il y en a dont la source de base n'est pas intéressante. Le fait qu'il est en liquide, qu'il est en poudre peut avoir des ingrédients qui nous intéressent moins aussi à l'intérieur. Donc, faire vos recherches. Encore une fois, ici, Santé Canada, ben, minimum de 75 chez les femmes et 90 chez les hommes, mais c'est les doses en bas desquelles on a le scorbut. Hein. Ce n'est pas des doses pour avoir une santé optimale. Dans les études, ce qu'on voit, c'est que l'impact est plus considérable. Il y a un effet dose dépendante, donc c'est plus efficace quand on en prend plus. Les médecins du comité d'examen du Orthomolecular Medicine News Service recommandent 3000 mg par jour. Les gens ont une tolérance maximale d'à peu près 4000 au niveau de l'intestin, 4000 à 5000. Donc, 3000, il n'y a aucun problème. Et ce qui est important, c'est de commencer à augmenter les doses très rapidement dès qu'on a des symptômes. Alors, celle qu'on a chez AWARE, elle est intéressante. Rapport qualité-prix, encore une fois, si vous allez vers le 300 capsules, ça revient beaucoup moins cher. C'est vraiment de l'acide ascorbique pur. C'est pas, il n'y a pas d'ascorbate, il n'y a pas de minéraux à l'intérieur, pas de bioflavonoïdes. C'est vraiment de l'acide ascorbique pour pouvoir aller chercher des doses thérapeutiques dans le moins de capsules possible. Ensuite, la vitamine E pour l'immunité qui est aussi très intéressante. La vitamine E qui est liposoluble, donc travaille au niveau de la protection de nos cellules également, mais qui a plusieurs impacts au niveau de notre immunité. Là, vous avez encore une fois tous les détails. Le point qu'il faut faire au niveau de la vitamine E, c'est que très souvent, dans les études cliniques, on va utiliser de l'alpha-tocopherol. Il y a 8 molécules de vitamine E, il y a 4 tocopherol et il y a 4 tocotriénol. Et les 8 molécules travaillent en synergie. Quand vous prenez juste de l'alpha-tocopherol, vous déséquilibrez les autres molécules de vitamine E. Et c'est pour ça qu'il y a des études cliniques qui ont des résultats très contradictoire. Donc, c'est important d'aller chercher une vitamine E complète comme celle qu'on a qui s'appelle la Total E, où vous avez vraiment toutes les molécules de la vitamine E.
Donc ici, encore une fois, un diagramme ou si ça vous intéresse d'aller voir. Puis ça peut être très pertinent d'avoir ces informations-là parce que si, par exemple, vous avez fait un test chez le médecin et vous savez que dans vos globules blancs, vous avez les cellules ALK qui sont très basses, bien, là, vous êtes capable d'aller voir quelle vitamine va avoir le plus d'impact sur, par exemple, les cellules que vous voulez augmenter. Donc, on voit ici à tous les niveaux que la vitamine E va travailler. Et comme vous voyez, ce n'est pas des histoires de naturopathe, c'est de l'information très, très bien documentée. Ça vient d'une revue qui s'appelle Nutrients, publiée en 2018. Donc, top information scientifique. La totale, comme je vous disais, 60 gélules, c'est du 400, grosso modo, milligrammes. Vous voulez aller vers 2 gélules par jour le plus possible. Alors, quand je vous écris un par jour plus, c'est-à-dire que la dose recommandée qu'on peut mettre sur la bouteille pour Santé Canada, c'est 1 gélule par jour, mais la dose clinique va plus vers le 2. Au niveau des minéraux, le zinc est le plus intéressant au niveau de notre immunité. C'est le deuxième plus abondant dans le corps humain. On en a de 2 à 4 grammes. Et le zinc est impliqué dans plus de 300 enzymes dans notre corps, plusieurs qui sont en lien avec notre immunité, comme par exemple nos fameux globules blancs, c'est vraiment les guerriers de notre système immunitaire. Mais on parle aussi de la guérison des muqueuses, santé de la prostate, on en a souvent parlé en lien avec le zinc, mais vraiment au niveau de l'immunité, très important, c'est un minéral qui est souvent carencé chez les personnes âgées, qui peut être carencé aussi chez les végétaliens. Ce qu'on doit savoir au niveau du zinc aussi, c'est que si on le prend à des doses thérapeutiques sur le long terme, ça peut déséquilibrer notre taux de cuivre. Donc, c'est pour ça que chez AOR, on a un supplément zinc-cuivre dans des ratios équilibrés. On voit que la carence en zinc va déprimer la réponse immunitaire. Les deux types d'immunité, vous avez le détail, vous avez l'étude clinique. Et le zinc augmente notre efficacité face à plusieurs agents infectieux et va avoir un impact sur la durée de l'infection également. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a fait des études chez des gens qui étaient carencés en zinc, quand on supplémente en zinc, l'immunité se rétablit. Donc, vraiment, dès que vous prenez des suppléments, vous avez un impact positif. Zinc et SARS-CoV, vous remarquez que c'est CoV régulière, pas la COVID-2 qui est la COVID actuelle parce que, évidemment, on n'a pas encore les données scientifiques, mais on voit que le zinc, on le combine ici avec une substance qui aide le zinc à pénétrer de manière plus efficace dans la cellule qu'on appelle un ionophore. Donc, dans ce cas-ci, on l'avait combiné et on voit qu'on était capable d'inhiber la réplication du virus. Donc, on vous a parlé de vitamine C qui empêche le virus de se répliquer, on vous a parlé de zinc qui empêche le virus de se répliquer. Donc, on a des moyens naturels qui permettent non seulement de prévenir les infections, mais de pouvoir les contrôler de manière plus efficace si on est touché éventuellement par ces infections. Donc, comme je vous disais, l'importance d'avoir un ratio de zinc-cuivre équilibré, un produit, encore une fois, sans VG capsule, dont le rapport qualité-prix est très intéressant, et en prévention, 15 mg de zinc, ça fait le travail, donc vous pouvez vous contenter d'une capsule par jour. Un autre produit très intéressant pour l'immunité, c'est la N-acétylcystéine. En gros, qu'est-ce que ça fait le NAC? C'est un précurseur du glutathion. Donc, le glutathion qui est notre principal agent détoxifiant dans notre immunité en général, mais aussi à l'intérieur de nos cellules. Donc, le glutathion a un effet détoxifiant, mais un effet aussi sur l'immunité et les deux travaillent de concert, comme je le mentionnais au début du webinaire. Donc, vous avez encore ici le diagramme précis qui explique l'impact du zinc, c'est-à-dire du NAC, sur notre système immunitaire. Vous avez encore ici tout le détail de tout ça. L'autre aspect du NAC qui est très intéressant, c'est qu'il est mucolytique et expectorant, c'est-à-dire que si on a une infection, il va nous aider à faire sortir le mucus qui est pris dans nos poumons. Donc, ça va aider à gérer les symptômes. Le NAC est utilisé même pour la détoxification dans certains protocoles hospitaliers. Donc, au niveau de la détox, puis au niveau d'enlever le mucus, le zinc est très intéressant, mais également au niveau de supporter notre système immunitaire. Donc, il agit aussi au niveau
je continue avec le zinc, pardon, le NAC, il agit au niveau du NF-kappa-B, donc dans toute la cascade d'inflammation. Il a été testé pour son effet antiviral sur des virus comme le VIH, le dengue, l'influenza. Donc, on ne sait pas pour le virus actuel, mais on peut raisonnablement supposer qu'il aiderait à prévenir, mais aussi à gérer les symptômes associés au coronavirus actuel. Donc, Shower 120 VG capsules de 500 mg, encore une fois, un rapport qualité-prix vraiment excellent. Le NAC va fournir aussi des molécules soufrées qui sont importantes dans notre détox, mais aussi au niveau de la construction des cartilages, la repousse des ongles, des cheveux, etc. Le NAC est une molécule vraiment, vraiment intéressante. Un autre nutriment dont on parle souvent par rapport à l'immunité, c'est le sélénium, qui lui aussi est un donneur de soufre. Donc, il va remplacer la cystéine, c'est-à-dire qu'il va fournir la molécule de soufre dans la cystéine qui va s'incorporer, encore une fois, dans le glutathion. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que ces fameuses protéines qui sont nourries par le soufre vont avoir un impact, encore une fois, sur la réplication virale et les mutations. Chez des études animales, on a vu que la carence en sélénium augmente la sévérité des infections. Donc, le sélénium doit être considéré comme une défense contre les maladies infectieuses virales et c'est le résultat, encore une fois, d'une étude clinique. La forme de sélénium qu'on va prendre est très importante. Le sélénium conventionnel à plus haute dose peut avoir un effet toxique. On peut atteindre des zones toxiques. Donc, chez AWARE, on a le sélénométhionine et c'est aussi la forme qu'on va retrouver dans la multivitamine. C'est vraiment la meilleure forme et la forme la plus sécuritaire de sélénium. On a une dose de 55 microgrammes, 90 VG capsules. Donc, vous voyez qu'on dit une VG capsule par jour, mais on pourrait aller, surtout si on est en présence d'une infection, à jusqu'à 3 capsules par jour. Alors, on peut prendre toutes ces vitamines-là de manière isolée, vitamines et minéraux, mais on peut aussi les retrouver dans notre multivitamine. NorthoCore, c'est mon produit préféré chez AWARE, donc notre multivitamine. Donc, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on a des doses thérapeutiques, ce n'est pas les doses minimales en bas duquel vous n'avez pas de scorbut. Là, vous avez vraiment les doses optimales de chacune des vitamines et minéraux qu'on retrouve à l'intérieur. Mais vous avez aussi les bonnes formes moléculaires. Ce qui est vraiment important, je parlais de la vitamine E tantôt, on vous vend pas de la totalup, allez vous mettre de l'alpha-tocopherol dans la multivitamine. Vous retrouvez aussi les 8 molécules de vitamine E dans la multivitamine. Vous avez aussi une quantité d'antioxydants à l'intérieur du produit, vraiment phénoménale. Donc, en termes d'antioxydants, en termes de détox, vous trouvez 300 mg de sulforaphane aussi dans le produit. Donc, pour la détox, pour l'immunité, pour vos minéraux, pour vos antioxydants, c'est vraiment la meilleure multivitamine sur le marché. Je vous dis, dans les presque 200 produits qu'on a chez AWARE, moi, depuis 9 ans, c'est de loin mon produit préféré. Donc, dosage optimal, 2 capsules par repas. Vous avez ce qu'il faut dans une bouteille et ça vous évite de devoir ouvrir plein de pots, prendre plein de suppléments. Vous avez tout ce qu'il faut dans une bouteille de multivitamine. Alors, encore là, si vous prenez juste un supplément, vous pouvez prendre la vitamine D pour prévenir l'infection. Si vous regardez à supporter votre santé de manière générale, juste un supplément, allez-y pour la multivitamine. Vous avez le détail de tout ce que ça contient. Écoutez, c'est vraiment un produit phénoménal. Ensuite, le glutathion. Bon, on a parlé du glutathion comme agent qui supporte notre immunité et notre détoxification. Le problème avec le glutathion, ça existe en supplément. On l'a chez AWARE. C'est que l'efficacité, à cause de l'absorption réduite du glutathion et de sa rapide transformation, fait que les suppléments de glutathion, ce n'est pas la meilleure façon de le prendre. Le glutathion est trop instable. Donc, une bonne façon de le faire, c'est soit de prendre la cystéine, mais encore là, c'est un tripeptide, donc vous avez 3 molécules impliquées. Et sinon, vous pouvez aller dans des produits comme le petit lait. Donc, dans le petit lait, vous retrouvez la cystéine, vous retrouvez l'acide glutamique qui est converti en glutamine dans le corps et la glycine, qui sont les 3 peptides dont le corps a besoin pour fabriquer son propre glutathion. Donc, c'est une très, très bonne façon de le faire. Et vous avez en plus tous les autres acides aminés pour vous assurer d'avoir une immunité optimale. Les protéines sont souvent sous-estimées.
en termes d'immunité, mais il ne faut pas oublier que, par exemple, toutes les immunoglobulines sont faites à partir d'acides aminés, à partir de protéines. Donc, si on ne mange pas assez de protéines, ça a un impact sur notre système immunitaire. Donc, l'Advanced Way, c'est une très bonne façon d'augmenter notre apport en protéines, d'aller chercher les nutriments dont on a besoin pour fabriquer du glutathion. Mais en plus de ça, chez AWARE, de la manière qu'on va traiter la protéine de petit lait, on va sauvegarder des immunoglobulines qui sont importantes pour notre immunité. Et en plus, on va rajouter de la lactoférine à l'intérieur. Et la lactoférine, c'est un produit que j'aurais aimé développer, mais par manque de temps, je ne pourrais pas aller trop loin. Vous avez l'information dans votre document. Pour moi, c'est une autre des molécules vraiment, vraiment intéressantes au niveau de notre système immunitaire. Donc, la lactoférine, son avantage principal, c'est que ça redistribue le fer dans le corps. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la tempête de cytokines qui est présente dans l'infection COVID-19. Eh bien, vous aviez vu que dans les autopsies, les gens avaient beaucoup de transférine parce que le fer est utilisé par les virus et par les bactéries pour se reproduire. Donc, c'est pour ça que dans beaucoup d'infections, les gens font de l'anémie parce que le fer est utilisé, séquestré par les virus et les bactéries. Et la lactoférine va aller leur enlever le fer et le distribuer où il doit aller. Donc, par définition, ça va avoir un impact direct sur les virus et les bactéries. C'est super intéressant aussi la lactoférine au niveau de l'intestin. Bon, vous allez lire tout en détail, là. C'est une molécule, je dirais, presque miracle. Moi, je suis la personne qui n'aime jamais parler de produits magiques, produits miracles. Mais la lactoférine, je vous avoue que c'est quand même très, très, très intéressant. Vous avez ici les différents sites d'action dans l'immunité, action directement antivirale, antibactérienne, antifongique, immunomodulatrice, donc même dans les cas de cancer, très, très, très intéressante, la lactoférine. Vous la retrouvez soit dans le petit lait, la protéine de petit lait, comme on vient de voir, vous en avez 310 mg par cuillère. Sinon, vous pouvez acheter juste la lactoférine toute seule. Donc, vous pourriez très bien prendre, par exemple, probiotiques, orthocore, la multivitamine et la lactoférine en capsule à côté. Et si vous avez un problème immunitaire important ou si vous êtes vraiment pris par cette infection ou une autre, je vous recommanderais la lactoférine ultra. Là, c'est la protéine de petit lait, mais dans laquelle on a rajouté 4,8 g de lactoférine. C'est donc l'équivalent de 18 capsules de lactoférine isolée par cuillère, scoop, là, par la cuillère de protéines. Donc, c'est un dosage très élevé. Évidemment, c'est un produit qui est très cher, qu'on ne prend pas nécessairement en prévention. Mais si vous souffrez d'une infection ou d'un cancer, moi, dans mes protocoles, c'est un produit que je recommande régulièrement. Après ça, l'aspect phytothérapie, je m'excuse que je vous passe ça rapidement, mais c'est important pour moi d'établir les bases parce que tous les petits détails, comme vous avez le document, vous pouvez aller les lire à tête reposée, vous pouvez me revenir avec des questions. Je voulais quand même vous donner un survol rapide pour que vous sachiez un petit peu où vous en êtes avec ça, mais mon message, c'est vraiment de... on peut faire quelque chose. C'est ça que je veux que vous reteniez du webinaire de ce soir. On n'est pas juste là à attendre que la fatalité nous tombe dessus ou qu'on nous dise qu'on peut sortir ou qu'on nous propose un vaccin. On a un pouvoir d'action sur notre santé. On est capable de faire des choses pour optimiser notre immunité. Et si jamais, parce qu'il ne faut pas se le cacher, le vaccin ne s'en va pas nulle part pendant qu'on est enfermé chez nous, on va être touché éventuellement par cette infection ou une autre. Donc, il faut s'assurer de pouvoir optimiser l'efficacité de notre système immunitaire et en comprenant qu'il y a des substances naturelles qui ont des mécanismes d'action qui sont validés scientifiquement, je vous le dis, ça fait un mois que je suis là-dedans, des journées 18 heures par jour. Moi, j'ai une confiance absolue, absolue dans ce qu'on peut faire avec les produits naturels. Donc, qu'en est-il de la fameuse quercétine? Bon, ça a été monté un petit peu, je dirais, en épingle dans les journaux. Il faut voir que oui, il y a des études qui nous montrent que la quercétine a un effet anti-inflammatoire. Ça fait longtemps qu'on le sent, on l'utilise beaucoup en naturopathie, dans les protocoles de prévention d'allergie, parce que ça bloque la libération d'histamine par les mastocytes. Donc, ça réduit les symptômes associés aux allergies, le nez qui coule, etc. Donc, ça agit comme un antihistaminique naturel. Il y a des propriétés antivirales, antipathogéniques démontrées, donc dans des études de laboratoire. Ce qu'il faut voir, c'est que l'effet direct sur les virus et les bactéries, il est présent dans les études cliniques, mais les études humaines sont assez limitées à ce niveau-là. Donc, de là à dire qu'on peut prendre ça pour avoir un impact direct,
sur COVID, je suis moins certaine. Alors, moi, je préfère y aller avec les valeurs sûres. Comme je dis souvent, le corps ne manque pas de quercétine, le corps ne manque pas de champignons médicinaux, mais le corps peut manquer de vitamine D, le corps peut manquer de vitamine C. Donc, il faut s'assurer de donner les nutriments de base. Ensuite, si on a une infection qu'on veut potentialiser la réponse immunitaire, oui, on peut y aller avec ces substances-là, mais de manière additionnelle. Si j'aurais à investir dans un seul supplément, ce ne serait pas la quercétine, parce qu'il n'y a pas assez de mécanismes d'action dans la prévention et dans la manière de combattre les infections, et ce n'est pas encore assez documenté scientifiquement pour être considéré, selon moi, comme le produit le plus efficace. Oui, c'est une piste intéressante, mais il y en a d'autres qu'on connaît très bien à exploiter avant celle-là, mon opinion personnelle. Donc, 100 VG capsules, un dosage de 500 mg par capsule dans le produit d'AOR, donc quand même intéressant. Et le point particulier, c'est que ça ne provient pas des agrumes. Il y a des gens qui sont sensibles aux agrumes, qui font des intolérances ou des allergies. Donc, c'est une quercétine qui est pure, purifiée, donc il y a beaucoup moins de risques d'intolérance et d'allergie. Le curcuma ne peut pas être passé sous silence, on oublie. On parle de l'ail, on parle de la quercétine et on oublie que le curcuma est quand même notre plante anti-inflammatoire par excellence. L'inflammation dans l'immunité, dans la tempête de cytokines, mais aussi a des propriétés antivirales, antibactériennes, aussi a un impact sur notre immunité. Regardez tous les paramètres qui sont influencés par la curcumine, le principe actif du curcuma. Et on a parlé tout à l'heure d'interleukine 6 et de TNF-alpha. Vous vous rappelez quand on a parlé de la tempête de cytokine? Eh bien, on peut, grâce au curcuma, faire face à ça. Je vous ai mis des belles études cliniques, potentiel antiviral de la curcumine. Je vous ai expliqué comment la curcumine bloque la réplication des virus, mais aussi les attaques au niveau de leur enveloppe cellulaire directement, bloque l'activation des bébés virus. Et tout ça, regardez, vous avez la référence clinique. Ce n'est pas des histoires de naturopathe, c'est bien, bien, bien documenté. La curcumine inhibe l'influenza. Pourquoi je vous parle d'influenza? Parce que, encore une fois, on est dans des grippes comme H1N1, comme H6N1, qui sont quand même des virus un peu similaires. Je n'ai pas les études sur SARS-CoV-2, alors j'y vais avec ce qui est disponible. Mais on parle de réduire la multiplication du virus par 90%. Imaginez qu'on combine le curcuma, qu'on combine la vitamine C, la vitamine D, le zinc, le sélénium, qu'on supporte notre taux de glutation. On commence à parler, on commence à avoir un discours sérieux. La curcumine supprime la tempête de cytokines. Pourquoi on ne fait pas une étude avec le curcuma? Ce qui est important avec le curcuma, encore une fois, d'aller vers des doses thérapeutiques. Pour le faire, on a besoin d'avoir une curcumine qui est libre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit neutralisée par le foie. Le problème avec le curcuma, c'est qu'on prend ça en poudre dans notre petit lait chaud. Ce n'est pas des doses thérapeutiques. Il faut aller chercher 8 g de curcumine par voie orale, donc du principe actif du curcuma, pour avoir une efficacité sérieuse au niveau de l'inflammation. Donc, je vous explique les différents mécanismes. Le produit que je vous propose, c'est le curcuma ultra, qui est efficace pendant 24 heures, donc on peut prendre une par jour. Si on est frappé par l'infection, on peut augmenter à 2 ou 3, mais en prévention, une par jour, c'est suffisant. On a combiné 2 produits pour éviter le curcufène et le turmacin. Pour plus d'informations, j'ai un webinaire en ligne, je vous ai mis le lien directement, « Soulager la douleur naturellement, efficacement ». Dedans, je vous parle en détail du curcuma et je vous parle en détail d'une nouvelle molécule qui s'appelle la PEA. Essayez de finir rapidement. Donc, le PEA, c'est le palmito-l'éthanolamide, donc une molécule qu'on a mise sur le marché chez AOR depuis quelques mois, mais qui existe depuis 80 ans. Il y a une lauréate d'un prix Nobel qui a commencé les études. Il y a 340 publications, si vous allez sur PubMed, il y a 50 ans d'études humaines faites sur cette molécule. Et en gros, ce que c'est une molécule qui n'agit pas directement sur les récepteurs endocannabinoïdes, mais sur la trame de fond. Donc, ça agit à vraiment plusieurs niveaux. Le corps fabrique cette molécule-là, un petit peu comme on fabrique de la cortisone naturelle, mais on a créé un médicament qui s'appelle le cortisol. Eh bien, le corps fabrique du PEA quand on a une agression, donc dans le mécanisme inflammatoire pour protéger notre système nerveux, quand on a de la douleur, le corps fabrique du PEA, mais éventuellement, on peut en manquer parce que
si l'agression ou l'inflammation se poursuit dans le temps. Donc, on peut la fabriquer et la prendre sous forme de supplément. Ça agit vraiment à plusieurs niveaux, mais si vous regardez au niveau spécifiquement de l'inflammation, on parle de la réponse des mastocytes, donc tout ce qui est allergie, ça peut être intéressant, anti-inflammatoire, effet antidouleur. Et donc, on a commencé à la combiner. Ça existe tout seul. Vous avez des études sur le rhume et la grippe, quand même assez intéressante. Et vous avez ici toutes les applications du PEA. C'est un petit peu ça. Le problème avec ce produit, c'est que comme les endocannabinoïdes sont des molécules de signalisation, il y a juste à différents endroits dans le corps. Donc, c'est vraiment une molécule qui peut être utile dans à peu près toutes les maladies qu'on peut rencontrer, qui peut aider à supporter le système immunitaire, mais qui n'agit pas de manière, on va dire, aussi spécifique que le curcuma. Donc, c'est sûr que le PEA, pour la douleur, a une action, mais c'est plus sur la régulation des mécanismes de la douleur. Donc, on ne va pas le sentir immédiatement dans les 20 minutes qui vont suivre, comme c'est le cas avec le curcuma. Mais dans une stratégie de supporter notre immunité, le PEA est un produit intéressant. J'en parlais dans Vitalité Québec du mois précédent, donc si vous pouvez remettre la main sur ce numéro-là, vous allez pouvoir avoir plus de détails, évidemment sur le site web d'AWARE aussi. Donc ça vient tout seul et on l'a de combiner avec d'autres molécules dans le Peak Pain Relief. Pourquoi j'ai choisi lui? Bien, c'est que dans cette formule-là, vous avez aussi de la quercétine. Donc vous avez 150 mg de quercétine à l'intérieur du Peak Pain Relief. Alors, tant qu'à investir dans un supplément de quercétine, je vous dirais, prenez le Peak Pain Relief parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir en plus les bienfaits du PEA et vous avez des molécules comme le magnésium, comme le boswellia, comme des plantes qui gèrent la douleur et l'inflammation qui vont être intéressantes aussi. Donc, ça aussi pourrait être un point. Un autre produit moins connu que j'aurais aimé avoir le temps de vous parler plus en détail, c'est un extrait de champignon qu'on appelle AHCC, qui est très intéressant pour stimuler l'immunité. Je ne le prendrai pas en prévention à cause du coût, mais définitivement, si vous avez un début d'infection, ça serait un produit à vous procurer et vous le prenez à ce moment-là à dose optimale. Bon, encore une fois, vous avez toutes les études, là, mais on vous dit 1 à 2 capsules, 1 à 3 fois par jour. En général, moi, je le donne vraiment à 6 capsules pour passer à travers une infection très rapidement. C'est un produit très performant, mais qui est un petit peu plus cher, donc pas à prendre nécessairement en prévention. On a un autre mélange, parce que l'HCC, c'est des particules de champignons qui ont été fermentées, etc. Donc, on va aller chercher vraiment les principes actifs pour avoir un effet un petit peu canon. Un produit qui serait de plus large portée d'action et qui, lui, serait plus raisonnable en prévention, c'est le mushroom synergie. Donc, c'est un mélange de 7 champignons. On a rajouté aussi dedans l'astragale, une plante bien connue comme régulateur de l'immunité, et le basilic sacré, qui a lui-même des propriétés antibactériennes, antivirales. Mais c'est un mélange aussi adaptogène, donc qui va avoir un impact au niveau de nos glandes surrénales. Vous avez un beau petit tableau ici avec chacun des ingrédients du produit et à quel niveau il va agir, antimicrobien, stimulant immunitaire. Donc, vous voyez, c'est une synergie très intelligente. On joue à peu près sur tous les tableaux avec cet ensemble. Donc, si vous avez des petites infections qui traînent, exemple, une petite candidose qui traîne depuis longtemps, comme je vous disais, ces infections vont diminuer l'efficacité de votre système immunitaire. Donc, ça pourrait être une bonne stratégie aussi de prendre soin de ces infections avec un produit comme Mushroom Synergie, mais évidemment pas aux dépens de vos bonnes vitamines et minéraux dont je vous ai parlé au début. D'autres suppléments à considérer, écoutez, je pense que je vais écrire un livre sur l'immunité pour vrai. Il y a tellement de choses intéressantes, j'aurais pu vous parler de plein d'autres affaires, mais le temps fait que j'ai été obligée de me limiter, mais je vous les ai quand même citées, c'est pas une liste exhaustive, là. On pourrait mettre d'autres choses à l'intérieur, mais ça m'apparaissait comme les plus importants. Mine de rien, on a fait le tour de 19 produits ce soir, je vous ai aussi parlé du test My Blueprint, et vous avez mon adresse courriel pour toutes les questions. Je vais rouvrir la petite fenêtre pour voir où on en est, voir si j'ai encore du monde ou si je parle toute seule depuis un bout de temps. Voilà, est-ce que j'ai des questions qui ont été... non, je pense que tout est beau. Je vais voir comment je peux ouvrir les micros pour rester quelques minutes s'il y a des gens qui ont des questions à me poser. Soyez un petit peu indulgents. Laissez-moi voir comment je fais pour ouvrir les micros de tout le monde. Sinon, attendez-moi un instant.
Non, je pense que vous pouvez quand même m'écrire en ce moment, mais laissez-moi voir comment je peux ouvrir vos micros. Vous êtes encore 43 personnes présentes après 1 heure et demie. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis vraiment, vraiment contente. Écoutez, je sais que ça a été un petit peu blasté comme information. J'en ai trop mis comme d'habitude, mais je n'étais pas capable d'en couper. Il y avait trop d'affaires que je trouvais important de vous transmettre. Je me suis dit, au pire, vous allez aller le lire à tête reposée après. Au moins, vous avez toute l'information entre les mains. C'était important pour moi aussi de vous donner un document qui était très, très bien référencé. C'est pas important si vous ne comprenez pas tout ce qu'il y a dedans, mais si un jour vous avez besoin de l'information, vous l'aurez entre les mains. Là, je continue d'essayer de voir comment je peux mettre tout le monde, rendre vos micros disponibles. Donnez-moi une seconde, c'est un nouveau programme et je n'ai pas eu encore la chance d'en faire le tour. People can see you, mais moi, comment je fais pour vous entendre? Attendez, attendez, attendez. Webcam audio. Bon, comment on fait pour ouvrir ce truc? C'est pas comme ça. Bon, est-ce que quelqu'un qui sait, est-ce que quelqu'un dans le groupe qui peut venir à main? Attendez. Attendees can ask a question, can raise the hand, can view session timer. Bon, view. Recording. Bon, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Question. Écoutez, au pire, je vais aller. Question par écrit. Oui, Sophie, merci. J'aurais juste vraiment aimé pouvoir vous entendre, hein, d'une part parce que ça fait des jours que ça fait des jours que je travaille toute seule avec COVID-19 à mon écran 18 heures par jour. J'aurais aimé vous entendre, mais j'y arrive pas. On va être obligé de laisser ça pour une autre fois. Mais je vois quand même vos questions. Donc, Saint-Ouen, and out chat. Comment je fais pour ouvrir le chat? Voilà. Donc, je vais prendre vos questions par écrit pour tout de suite. Mais encore une fois, ne négligez pas de me les envoyer par courriel. Comme ça, si je n'ai pas le temps de répondre ce soir, elles ne vont pas disparaître avec le webinaire. Donc, si vous voyez que je n'ai pas répondu, là, vraiment, assurez-vous de me les envoyer par courriel. Vous avez mon adresse courriel à la fin du document. Vous pouvez télécharger le document également. Et j'ai peur aussi que l'enregistrement va arrêter dans 7 minutes parce que ça avait été programmé comme ça. Donc, non, je ne sais pas. Je m'excuse, j'aurais vraiment voulu vous entendre. Sinon, ben, vous m'appellerez ou vous me parlerez par Messenger. Ah, ben tiens, ça pourrait être une autre façon de vous parler. Vous pouvez me rejoindre par Messenger, par mon Facebook aussi. Donc, je pourrais entendre vos voix. Non, j'arrive pas à voir comment, comment vous donner des micros. Alors, c'est peut-être fait comme ça ou c'est peut-être juste moi qui ne trouve pas. Auto-hide, control, question. Non. Donc, je vois pas de questions en ce moment. Alors, je vais mettre fin au webinaire. Je vous remercie. Vraiment, vraiment, encore une fois, d'avoir été là, d'être resté pour beaucoup d'entre vous jusqu'à la fin. Et puis, j'espère que ça vous a aidé à comprendre des choses. J'espère surtout que ça vous a donné une confiance, le fait de voir les références scientifiques, le fait de voir qu'il y a des mécanismes d'action très, très bien documentés sur les produits naturels. Mon souhait le plus cher face à tout ça, ça serait vraiment que vous vous sentiez que vous avez un pouvoir d'action, que vous prenez action pour supporter votre immunité. Parce qu'on parle de responsabiliser les gens en restant chez soi.
C'est une mesure de prévention. Ce n'est pas la meilleure et la seule. Je pense qu'on doit aussi s'assurer d'avoir un système immunitaire en bon état et de se donner les moyens pour le faire. Puis il y a plein de ressources. Vous pouvez me rejoindre en consultation en ligne, comme je disais. Il y a mes collègues naturopathes qui continuent à travailler dans les magasins comme Avril, là, je cite celui-là parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est évidemment pas le seul donc qui s'expose à tous les jours. On est un petit peu... on passe sous silence, on parle beaucoup du personnel hospitalier, mais il y a plein de naturopathes qui sont au front aussi dans les magasins, les supermarchés où on vend des produits naturels, les pharmacies où on vend des produits naturels. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide et à vous informer, mais vous ne pouvez pas rester juste avec les médias comme le Journal de Montréal et compagnie. Il faut aller un peu plus loin, puis c'est pour ça que je vous ai mis toutes les ressources dans votre document. Allez lire les études, mais faites ce qu'il faut et je vous garantis qu'on va passer à travers et que si on est infecté, on a les moyens de s'en sortir. Il ne faut pas surcharger le système de santé, on se l'est fait dire. Et notre responsabilité par rapport à ça, c'est de prendre les substances qui sont bien documentées, qu'on sait qu'ils ont un historique d'efficacité, mais aussi de sécurité et de passer au travers le mieux qu'on peut. Alors, merci encore une fois, puis donnez-moi du feedback. Je suis toujours sur Facebook, toujours mon écran Facebook allumé en arrière de mon écran de rédaction. Ça me fait plaisir de vous entendre, ça me fait plaisir de lire vos coucous. Et puis, j'ai hâte de vous revoir dans la vraie vie. Merci, merci d'avoir été là. À la prochaine. Et puis, on va essayer de mettre l'enregistrement en ligne dans les prochains jours. Puis, vous avez le document que vous pouvez télécharger, donc à partager également. Merci.